et sur YouTube. Et puis voilà. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Je pense, disons, il est 18h chez moi ici. Donc, il doit être 19h chez vous. Bien. J'ai envie, volontairement aujourd'hui, de m'arrêter sur Madame la ministre de la Communication. J'ai cité Madame Laurence Ndong, une ancienne activiste avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Voilà, donc je souhaite m'adresser à elle aujourd'hui. Bien que beaucoup d'entre vous, vous avez lu mon article où je mettais une pause. D'abord, le 31, j'ai fait un live où je disais, parce que moi, je n'aime pas faire les choses cachées. Voilà, j'aime être transparente parce que je ne dois rien à personne. Je suis honnête avec moi-même et lorsqu'on est honnête avec soi-même, on est honnête envers les autres. Donc, j'ai exprimé mon désir et ma volonté de faire une pause et de stopper provisoirement, peu importe le temps que cela me prendra, mes activités d'activiste ou mon engagement en tant qu'activiste pour me concentrer un peu à ma vie, à mes activités professionnelles et pourquoi pas à mes prochaines ambitions futures. Mais cela dit, nous sommes tous Gabonais. Ce n'est pas parce que je mets pause dans mes activités activistes, ce n'est pas parce que je dis je fais une pause côté activiste que lorsqu'il y a des choses qui peuvent se passer au pays, comme la chose qui me permet de parler aujourd'hui, que moi en tant que Gabonais, en tant que citoyen, je vais fermer les yeux et que je ne peux pas donner mon point de vue. Peu importe qui est devant moi, vous le savez très bien, je n'ai pas d'appartenance, je n'ai pas d'amis et je n'ai pas d'alliés. J'ai que des personnes avec lesquelles je peux travailler en collaboration, en étroite collaboration, si on s'y plaît bien. Et aujourd'hui, je souhaite m'arrêter chez Laurence Ndong. Vous savez, depuis la nomination de Laurence Ndong, beaucoup de gens m'ont plus ou moins indexé. Voilà, parce que aujourd'hui, les gens ont un peu peur de citer mon nom parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils m'ont provoqué. Donc, comme les gens ont du mal maintenant à prononcer mon nom, je lis beaucoup de pamphlets qui me disent plus rien parce qu'aujourd'hui, j'attends juste qu'on cite mon nom pour que je déclenche ma folie. Et depuis la nomination de Laurence Ndong, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, etc. Moi-même, j'avais donné une petite partie de mon point de vue sur sa nomination sur TikTok, ceux qui me suivaient encore à l'époque quand je faisais beaucoup de live sur TikTok. Et puis ça s'est arrêté là. Je me suis dit que pour moi, je m'en fous parce que moi, je suis gabonaise. Ce qui m'intéresse, c'est le moi gabonais, de ce que je fais en tant que gabonais, c'est ce qui m'intéresse. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est moi, mon apport que j'apporte au pays, mon apport en tant que citoyen. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai presque jamais moi faire dire que je vais m'asseoir et commencer à faire des débats sur des citoyens, faire des débats sur d'autres activistes parce que ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Je n'ai pas ce genre de capacité à perdre mon énergie pour combattre les autres s'ils ne font pas les choses que moi je vais faire. Si je sais que je suis en mesure de faire quelque chose, je le fais. Voilà, si je ne peux pas, je laisse. Bien, ça c'est moi. Alors, de l'hypocrisie et je fais partie de ces personnes quand quelqu'un n'est plus dans mon carré, dans mon estime, je me retire sans faire de bruit, sans faire de vacarme. C'est ce qu'on appelle la sagesse, c'est ce qu'on appelle le respect de soi, c'est ce qu'on appelle se respecter soi-même. Donc on quitte avant que la table, on quitte la table avant que la table nous quitte. Et moi je sais quitter la table quand il est temps. Donc vous là vous êtes amusant, hein? Parfois, vous m'avez manqué. Vous me manquez parfois de plus haut. Des fois, je regarde les choses qui se font au Gabon. Il dit, yo, mon cœur, dit, fais-moi un bon agneau, dame, avant le poison agneau. Et fait, je regarde qu'avec mon poison, là, mieux clair, passe ta route, va chercher tes partenaires là-bas. Moi, j'ai souvent le poison dans ma bouche, là. Quand je commence à vomir, et ma bouche, là, pardon, ma bouche, c'est le poison, hein. Non, je me corrige, oh. Mais je ne vais pas changer. Bon, allez, bref. On veut un Gabon de justice. Bien. Erika dit quoi? On veut un Gabon de justice. Bien, bien, bien. Alors, voici ce pourquoi je voulais parler tout à l'heure là. J'ai regardé l'interview, hein, comment on l'appelle, chargée de communication, elle a parlé. Mais d'abord, avant d'y arriver là-bas, avant d'arriver à définir le rôle de Laurence Ndong. Je voulais appeler Madame la ministre aujourd'hui. Je te parlais comme ça, dans le respect, Madame la ministre et autres, parce que on n'est pas des amis. Vous êtes une autorité. J'ai envie de considérer comme ça. Voilà. On n'est plus des amis. On n'est pas des amis. Sinon, je vous aurais appelé comme je faisais avant, chère grand sœur.
Donc aujourd'hui, je vais vous appeler par le titre que vous portez aujourd'hui, donc Madame la ministre, comme je le fais avec d'autres ministres, d'autres autorités de ce pays, Monsieur le Président Olingui ou Monsieur le Procureur de la République, donc je vous mets dans la même case de, comme une inconnue que je n'ai jamais connue. Au moins comme ça, on établit déjà le contexte. Madame la ministre de la Communication, vous avez fait une sortie, je vais paraphraser tout simplement vos mots. Je vais vous prendre sur vos mots parce que c'est grâce à ces mots-là que je me suis dit, est-ce que je passe, est-ce que je dois regarder sans faire le live, est-ce que, et puis un autre qui m'a dit, non Claire, mieux t'aille parler, parce que ça c'est les foutaises, comme disent les pauvres enfants. Bref, revenons à nos moutons. Donc vous avez fait une sortie, et dans cette sortie, il y a juste une petite phrase, elle n'est pas longue, où vous dites, vous êtes bien sûr désolé des morts de France et Ville, mais ce n'est pas au gouvernement de s'exprimer. Oui, c'est ça, non? Ce n'est pas au gouvernement de s'exprimer sur tous les problèmes. Voilà. Ce n'est pas au gouvernement de s'exprimer sur tous les problèmes ou sur tous les cas ou sur toutes les situations. Blablabli, blablabla. D'accord? Tu as dit ça. Ok. Bon, Laurent, donc. Avant de commencer de te mettre face à qui tu étais hier et qui tu es aujourd'hui, permets-moi déjà de te rappeler et de te faire un petit cours de communication du rôle que tu portes, qui tu es, l'image que tu es, qui est le gouvernement, qui normalement tu dois représenter et que fais-tu. Voilà. Quand j'avais contesté ta nomination plus ou moins sur TikTok, j'avais dit, même s'il faut mettre les gens qui sont intelligents, les gens qui ont des diplômes, essayer de mettre les gens qui ont les diplômes qui correspondent avec leur ministère. Et toi, le ministère de la communication ne te va pas parce que tu n'es pas formé en communication, parce que tu ne sors pas d'une école de communication comme les Banous autres, ou bien, je ne sais pas, dans ton secteur. Mettez le cœur et tapotez l'écran, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, quand tu sors, tu viens et justement confirmer ce que j'avais dit lors de ta nomination. Par contre, là, je vais mettre point pour les gens qui vont dire, tu es jalouse, elle s'exprime bien, voilà, vous êtes jalouse. Je ne suis pas dans vos conneries, dans vos arguments à deux balles. Moi, j'ai fini de blablater avec vous dans les concurrences, dans les débats, dans les bagarres, dans les émotions. Je ne suis plus dedans. Vraiment, si vous pouvez le remarquer, je suis dans mon côté, je fais mon petit travail comme il se doit. Mais si vous pensez que dire ce qu'on pense, c'est de la jalousie, je pense que je ne saurais être jalouse d'une femme comme moi, ni d'aucun homme sur terre, s'il vous plaît. Surtout pas ma soeur, parce que je pense que nous sommes presque équilibrés. Elle est mariée, je suis mariée. Elle a une maison, j'ai une maison. Elle a des voitures, j'ai des voitures. Elle travaille, je travaille. Voilà. Donc, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien vraiment qui va faire en sorte que je puisse être jalouse de quelqu'un qui est quasiment comme moi. Et encore, je n'ai jamais des sentiments de jalousie. Donc, ensuite, donc moi, je voulais te faire ce petit truc-là. Je me suis permise, hein, parce que comme ça, pour ne pas oublier, je t'ai fait la liste de tout. J'ai copié ça, j'ai fait ça sur mon bloc-notes. Je me suis parce que je peux te dire ça verbalement, mais j'ai préféré noter tout pour que je n'oublie rien. Comme ça, demain, tu sauras à peu près quel est ton rôle, qu'est-ce que tu dois faire normalement. Est-ce que tu dois t'exprimer comme tu l'as fait? Est-ce que c'est normal que tu t'exprimes ainsi? Qui m'appelle? Oh là 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 là, je suis en live. Je suis en live sur Facebook. Si tu me regardes, s'il te plaît, ma chérie. Je suis en live sur Facebook. Et donc, Wazuna, tu dis que Claire, c'est 2024. Dis à tes modos de me débloquer déjà. C'est qui c'est d'abord même? Daniela? Non, 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 non. Mes modos ne bloquent pas. Je suis la seule qui bloque. Si tu es bloqué, c'est moi. Il y a peut-être quand le phénix vient peut-être intervenir. Et là, ça date de il y a longtemps, quand les gens l'insultaient. Mais la plupart des gens qui sont bloqués sur ma page, c'est moi. Donc, on va pas aller loin. Les modos sont là juste pour observer au cas où on m'enlève accès. Comme la dernière fois, quand on m'enlève accès, c'est ma fille qui m'a rajouté. Ma fille est née qui est ma modo, comme on dit. Et mes soeurs modo. Voilà. Et puis, il y a une ancienne, moi, je suis en train de prendre une community manager. Mais sinon, la quasi et il y a aussi deux frères, deux activistes qui sont mis modo dedans. Mais sinon, moi, je suis dedans. Si j'étais bloqué, c'est que tu m'as mal parlé, tu m'as insulté, tu m'as dit quelque chose qui m'a énervé. Et comme moi, je ne discute plus, quand on me manque de respect, je bloque. Voilà. Moi, je ne discute plus. Quand on me manque de respect, je bloque. Je ne suis pas là à prendre de la hauteur avec les gens qui se baladent avec les esprits dangereux, avec les esprits de criminalité, avec les esprits qui disent que tu quittes dans ta maison pour aller énerver quelqu'un qui a allumé sa caméra. Je n'ai plus la patience pour vous. Je n'ai plus la patience dedans.
Tu es belle quand même, mais normal, c'est le macoco. Tu me prends pour quand? On t'a dit que les filles de macoco sont vilaines. Partage-moi le lave. On t'a dit que les filles de macoco sont vilaines. Attends, tu me négliges pourquoi? Je suis en train de maigrir un peu. Quand je vais retrouver ma taille là, vous n'allez pas dormir sur les réseaux sociaux. Ah, vous tous là, vous serez dans mon inbox encore à venir me harceler. Hein? Alors, je n'ai pas sauvegardé, mais voilà, c'est là. Voilà. Voilà, c'est ça même ça, j'étais en train d'écouter. Bien. C'est un représentant de l'État. Voilà. C'est pareil. Une famille a été massacrée. Bien. On peut maintenant commencer. Là, j'ai trouvé la vidéo. Maintenant, on peut maintenant commencer. Bien, merci. Alors, aujourd'hui, j'interpelle Madame la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Je cite Madame Laurence Ndong, apparemment Bango. Je n'étais pas. Madame la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, permettez-moi de vous interpeller aujourd'hui sur votre sortie qui, je pense, est très maladroite et mal placée vis-à-vis du peuple gabonais, surtout vis-à-vis des victimes. Vous avez dit, je cite, pour paraphraser vos mots, le gouvernement n'est pas le procureur, que ce n'est, le gouvernement n'est pas là pour se prononcer sur tous les problèmes ou sur toutes les situations de notre pays. Madame Laurence, donc, je vais me permettre de vous lire à peu près quels sont les prérequis de votre mission, quel est votre rôle exactement pour être ministre de la Communication, comment vous devez vous comporter et qu'est-ce que vous devez faire. Bien, alors, je me suis permise, pour ne pas oublier, avant de venir vous contrer sur vos propos, je me suis permise de faire un peu quelques petits cours sur mon papier, mon blood note, pour lire ça tout simplement avec fluidité, voilà, pour ne pas oublier. Vous savez, je suis du domaine de la communication, j'ai l'habilité de pouvoir parler de ce sujet parce que je sais exactement ce que je peux dire, surtout quand il s'agit de la communication digitale, je m'y connais. Donc, je vais vous prendre sur vos mots. Alors, revenons à nos moutons, Madame la Dame ministre de la Communication. Quel est le rôle de la ministre de la Communication? Bien. Déjà, sachez que cet impôt est très important pour le gouvernement parce que c'est par là que reflète l'image du gouvernement entier. Les valeurs du gouvernement vont être représentées par vous, par qui vous êtes. C'est-à-dire, vous serez la porte-parole, vous serez même l'image. Donc, quand on voit le gouvernement doit être reflété par votre façon de communiquer. Bien. Alors, votre premier rôle ici, c'est tout simplement tenir la communication gouvernementale. Vous allez élaborer et mettre en œuvre la stratégie de la communication, la stratégie communicante du gouvernement en assurant la diffusion cohérente, je dis bien cohérente et efficace avec le message gouvernemental. C'est-à-dire que si le Premier ministre dit quelque chose, vous, la porte-parole, vous devez pas aller à l'encontre, vous devez passer à l'inverse de ce que le Premier ministre a dit. Ou si le Président de la République a dit quelque chose, vous n'avez pas le droit d'amener un autre message. Votre message doit être en cohérence, un seul message. Vous tous, vous devez avoir le même message. Et là déjà, vous fautez déjà dans ce premier rôle. C'est-à-dire, Ndong Sima a une parole, le président a une parole, vous avez une parole, les députés ont une parole. Finalement, vous êtes ministre de la communication et porte-parole de quel gouvernement si vous n'êtes pas en cohérence efficace et vous n'êtes pas en cohérence et vous annoncez pas les messages efficaces tels le gouvernement le souhaite. C'est pas moi qui le dis, je ne suis pas en train de blasphémer, mais je vous prends au mot par rapport à vos dires. Nous continuons votre deuxième rôle en tant que ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Vous devez assurer les relations avec les médias, c'est-à-dire gérer les relations avec les médias, répondre aux messages des journalistes, organiser des conférences de presse et des briefings pour maintenir une communication transparente. Là, c'est tout simplement ce que vous savez faire, aller dans les télévisions, aller autres et parler au nom du gouvernement et maintenir bien sûr une relation entre les médias et vous, les journalistes et vous. Ce qui ne s'est pas passé, je pense qu'il y a eu un quiproquo tout récemment puisqu'il y a une journaliste qui vous a plus ou moins, comme on dit chez nous, mal parlé en mettant en évidence vos incompétences de ministre. Mais bon, ça c'est pas moi, je n'étais pas là-bas. Ensuite, vous êtes la porte-parole officielle du gouvernement, c'est-à-dire être porte-parole officielle du gouvernement exprimant les positions officielles sur les questions politiques, économiques, sociales et internationales. Je veux d'abord m'arrêter sur ce point-là. Ça veut dire que vous êtes le porte-parole officiel du gouvernement.
vous devez exprimer les positions du gouvernement officiel sur les questions politiques, économiques, sociales et internationales. Dites-moi, madame Laurence, est-ce que la mort ou les morts de toute une famille ne révèlent pas d'une situation sociale? Est-ce que c'est une situation des extraterrestres ou c'est une situation, je ne sais pas, attentat? Est-ce que cela ne révèle pas du sort du gouvernement, puisque dans votre rôle en tant que porte-parole du gouvernement, il y a mention que vous avez l'obligation et le devoir de communiquer, de s'exprimer sur les positions des situations politiques, économiques, sociales et internationales. Madame Laurence, donc, même quand on n'est pas du domaine, même quand on n'est pas compétente ou compétent dans un secteur, on fait un effort de s'instruire, de connaître et de s'améliorer, de devenir même meilleur dans ce domaine parce que on a beaucoup, beaucoup à apprendre, on a beaucoup à prouver sûrement, enfin, par rapport aux autres, puisque les autres, c'est leur métier. Toi, ce n'est pas ton métier, donc tu as beaucoup à prouver. Excusez-moi, je parle vite, vous le savez très bien, ce qui fait que j'ai du mal à articuler. Mais bon, voici votre deuxième rôle. Le troisième rôle, c'est tout simplement la gestion des crises. En cas de crise, fournir des informations précises et rassurantes à la population. En cas de crise, votre rôle premier, enfin troisième, est d'assurer de fournir les informations. C'est-à-dire que là, on peut dire que la situation de cette famille qui a été tuée à Franceville est aussi une situation de crise. Donc, le rôle du gouvernement est tout simplement d'informer, de fournir les informations sur le tueur, de préciser avec précision et de donner les tout en coordonnant les actions communicantes et maintenir la confiance des populations. Je vous prends l'exemple, Madame Laurence, dont vous venez du même pays que moi ici en France. Lorsqu'ici en France, on avait vu, la petite fille qui avait été kidnappée dans un mariage. Et plus tard, on a trouvé cette fille-là assassinée dans un marigot ou dans un... Quelque part, on a retrouvé le corps de cette fille-là quelque part. Vous avez vu comment le gouvernement français s'était mobilisé. Les députés, même dans les hémisphères... Bon, bref. Même dans l'Assemblée nationale, ce crime avait été énoncé, avait été le sujet de débat même à l'Assemblée nationale. Même ici en France, lorsqu'il y a ce genre de crime, lorsqu'il y a ce genre de barbarie, il y a le gouvernement qui se prononce, qui envoie le chef de gouvernement. Ils vont faire, même ils vont être là avec la population, ils vont soutenir la population parce que ça revêt tout simplement du rôle du gouvernement de rassurer la population gabonaise sur les situations de crise, sur certaines situations plus ou moins urgente et délicate. Alors, je ne sais pas si pour vous aller remettre un chèque de 40 millions de francs CFA est plus importante que de rassurer la population sur les crimes, sur la dangerosité des crimes que vient de vivre toute une famille dans la province du G2. Je ne sais pas où est l'urgence, je ne sais pas comment vous mesurez l'urgence dans votre communication. Ensuite, votre quatrième rôle, comme je viens de le dire ici, c'était la gestion des crises. Votre cinquième rôle est tout simplement la coordination interne. Vous devez travailler en étroite collaboration avec d'autres ministres, avec d'autres ministères et départements pour assurer la communication, pour assurer que la communication est alignée avec les objectifs politiques du gouvernement. Donc, tu ne travailles pas que seul, tu es aussi celle qui doit travailler avec d'autres ministères, d'autres départements ministériels pour que la vision de tout le gouvernement soit en adéquate avec la vision, bien sûr, du président. Et c'est toi qui dois mettre en place aussi cette communication-là. Tu dois coordonner cela. Ensuite, tu as aussi le sixième rôle qui est la promotion des initiations gouvernementales, c'est-à-dire mettre en valeur les réalisations et les initiatives du gouvernement. Ici, c'est tout simplement tous les projets que le gouvernement va mettre en place. C'est par toi que tu vas mettre en valeur. En fait, tu es comme le coq chantant. En fait, tu es le coq. Mais comme tu es une femme, on ne peut pas dire la coq chantante. Donc, tu es le coq chantant. C'est toi qui vas mettre en évidence, en envergure, les réalisations et les initiatives du gouvernement en expliquant les politiques publiques en matière, de matière accessible à la population.
Donc, c'est à toi d'expliquer au peuple gabonais si demain, il y a une route tronçon qui sera faite de là-bas à là-bas. C'est la ministre de venir communiquer sur ça, sur les réalisations du gouvernement. Voici ensuite ton septième rôle qui est aussi important ici-là, que tu sembles oublier, c'est la gestion de l'image. Tu dois contribuer à la gestion de l'image du gouvernement. Tu dois contribuer à la gestion du mal du gouvernement en s'assurant que la communication reflète les valeurs et les engagements du gouvernement. Je répète, tu dois s'assurer de l'image du gouvernement en s'assurant que la communication que tu es en train de faire reflète l'image d'Olingi, reflète tout simplement la vision du président de la transition. En fait, ça fait 7. Huitièmement, formation, bon, ça c'est la formation, je ferme ça, tu dois former les membres de ton, donc tu ne peux pas former quelqu'un dont toi-même tu n'es pas formé dans le secteur. Donc j'enlève ça, ça ne peut pas venir de toi parce que il faudrait quelqu'un qui soit de ce domaine pour pouvoir former ses compatriotes. Toi, tu ne peux pas former les gens alors que ce n'est pas ton domaine. Bien, surveillance de la politique publique, donc tu dois suivre l'opinion publique, donc nous, tu dois nous suivre. Suivre l'opinion publique, les tendances médiatiques et les réactions du public afin d'ajuster les stratégies de communication aux besoins. Mais ce qui n'est pas le cas avec toi. Bien, je viens ici de te relater plus ou moins sept rôles. D'accord? Sept rôles, je viens de te relater ici, sept rôles que toi, la ministre de la communication, les rôles les plus importants que tu dois faire. Et lorsque je parlais en haut, le rôle qui était bien sûr le rôle qui était le porte-parole du gouvernement officiel, donc tu dois intervenir dans tout ce qui est problème économique, social et international. Et c'est là, toi, tu viens laver les mains que non. Les problèmes sociaux, là, l'État gabonais n'a pas le droit d'intervenir. L'État gabonais n'est pas obligé d'intervenir quand on tue les gens, quand on emprisonne les gens. C'est là où je te prends au mot et je souhaiterais te poser la question. Que faisais-tu avec nous lorsque nous étions activistes, lorsque tu travaillais à l'époque quand tu étais encore un lanceur d'alerte et tu interpellais Ali Bongo Ondimba et le gouvernement Bongo sur les situations des crimes dans notre pays? À cette époque-là, est-ce que Ali Bongo Ondimba et son gouvernement étaient obligés de te répondre, étaient obligés de nous donner les explications sur les crimes à l'époque, les crimes commis à l'époque? À l'époque de Ikengonjou qui était porte-parole, à l'époque de tous ces ministres de la communication, des porte-parole du gouvernement, est-ce que ces gens étaient dans l'obligation aussi de venir s'expliquer sur les crimes que les Gabonais vivaient à cette époque-là? Pourquoi aujourd'hui, chers compatriotes, chers ministres de la communication, pourquoi aujourd'hui vous voulez vous dédommager? Pourquoi aujourd'hui vous voulez laver les mains parce que vous êtes là-bas? Pourquoi vous voulez faire ce que nous on a fait hier aux autres? Pourquoi vous ne voulez pas que les autres vous fassent la même chose? Pourquoi tu ne peux pas un tout petit peu prendre au sérieux ton rôle de communicant, ton rôle de ministre de la communication et être là auprès de la population gabonaise? Moi, je ne vous condamne pas, je ne condamne pas ceux qui sont partis là-bas, ceux qui ont été nommés, je ne vous condamne pas, au contraire, c'est pour le bien de notre pays. Mais diantre, qui êtes-vous lorsque vous êtes nommé? Êtes-vous obligé d'oublier, de bafouer votre honneur, de bafouer vos valeurs? Où sont tes valeurs de défenderesse, de justice? Où sont tes valeurs de cette femme-là qui se battait pour cette population, qui mourait pour cette population, qu'on tuait? Où sont passées ces valeurs-là? Est-ce que c'était du théâtre que tu faisais avec nous ou bien c'était sincère? Je me pose des questions aujourd'hui parce que quand j'ai écouté ta vidéo, je me suis dit non, ces paroles ne viennent pas d'elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que ce n'est pas en cohérence avec la dame hier qui était activiste qui dénonçait les Bongo. Est-ce que la justice était seulement limitée au pouvoir Bongo? Est-ce que la justice qu'on dénonçait, c'est seulement au pouvoir Bongo? Sauf si tu dis que tu fais table rase, que tu ne veux plus parler. Mais dans ce cas, madame la ministre, mieux se taire que de venir dire des conneries parce que ce que vous venez de pomper là, ce n'est pas en adéquat avec le rôle de communicant. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas, dans votre gouvernement, qui est vraiment la chargée de communication? Qui est vraiment le porte-parole du gouvernement? Est-ce que c'est toi le porte-parole du gouvernement? Ou bien c'est monsieur Manfumbi, comme il s'appelle, celui qui fait le coq de la CTR là, qui vient souvent faire communiquer 0000, nous sommes à 0 combien? 0,43 ou 0,44. Qui normalement est le communicant alors? Dans ce cas, on doit enlever l'un d'entre vous. Soit c'est toi qui reste là et tu dois alors mettre en place
une stratégie communicante gouvernementale qui doit plaire à la population gabonaise. Soit on t'enlève et on laisse alors Mafumbi qui est devant le, je ne sais pas où il est, derrière les drapeaux, les trucs gabonais, là où il crie à matin, midi, soir, cocolico, communiqué numéro 000. Soit on laisse ce monsieur là, parce que de vous deux là, on ne sait pas qui est vraiment le porte-parole du gouvernement, qui parle pour le gouvernement, qui parle pour les militaires, qui parle pour informer la population, qui parle pour maintenir la relation entre le gouvernement et sa population, entre le gouvernement et les États extérieurs. Qui es-tu? Quel est ton rôle réellement aujourd'hui? Bon, moi je ne suis pas là pour venir t'attaquer, oh tu as fait ça, tu es machin. Non, ce n'est pas mon problème. Hein. De toute façon, moi je suis attaqué matin, midi et soir par les petites personnes, les petits esprits qui ont du mal à exprimer, à donner leur point de vue dignement sans pour autant aller par les bas de caleçon. Ça, ça ne me regarde pas. Mais aujourd'hui, je te prends sur ta formation, sur ton métier. Aujourd'hui, je pense qu'en te regardant après quatre mois de service, cher ministre de la Communication, je pense que votre place n'est pas au ministère de la Communication. On aurait pu vous trouver notre ministère, pas celui-ci. Parce que j'appréciais la Laurence Donguier qui était combattante, qui avait de la niaque. J'appréciais la Laurence Dadon qui, lorsqu'elle s'exprimait, elle avait de la lueur dans les yeux. Elle avait de l'amour de la patrie. Elle savait défendre les siens. J'appréciais cette Laurence Dadon qui, pour moi, à l'époque, semblait être sincère. Aujourd'hui, j'ai devant moi une femme, pour ne pas dire épave, qui a peur de perdre ses privilèges. Une femme qui fait semblant, qui veut plaire à tout le monde, qui veut plaire à son gouvernement, qui veut plaire à son patron, qui a peur d'être éjectée. C'est pour ça que je le dirai toujours, on ne pourra jamais, au grand jamais, me nommer quelque part. Je ne pourrai être à la solde d'un être humain comme moi. Je ne peux pas être à la solde de quelqu'un. Si tu me nommes, tu dois m'accepter. Si tu me mets quelque part, tu dois m'accepter avec mes qualités et mes défauts. Tu dois pouvoir accepter que moi, je suis quelqu'un qu'on n'amadoue pas. Je suis quelqu'un qu'on ne prive pas de sa liberté d'expression. Quand ça fait mal, quand c'est mal, permettez-moi de dire à chaque fois que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon pour la nation gabonaise et ce n'est pas bon pour la population gabonaise. C'est ça, être intègre et garder en intact, garder autant pour moi, intact toutes ces valeurs. Aujourd'hui, quand je vous regarde, quand je vous observe, j'ai devant moi une femme qui se cherche, qui ne sait pas ce qu'elle doit dire. Est-ce que si je fais ça, je serai bien? Est-ce que même en tant que ministre, si vous n'avez plus le droit de se comporter comme avant, comme tu faisais ou quand vous faisiez, autant pour moi, vos sorties publiques ou en l'aile, Benazieva, si elle disait comme citoyenneté ou bien rencontre citoyenne. Voilà, les rencontres citoyennes que tu faisais à l'époque, est-ce que parce que vous êtes ministre, que vous n'avez plus le droit de sensibiliser la population, d'informer la population ou de former la population? Donc, la rencontre citoyenne s'arrête lorsqu'on est nommé. Donc, elle n'était pas une rencontre citoyenne à long terme. C'était une rencontre citoyenne en court terme jusqu'à obtenir une nomination. Qui sais-je? Je ne sais pas, chacun d'entre vous a ses motivations que je ne partage pas. C'est pour ça que je préfère, moi, être aujourd'hui, comme vous le savez tous. Je suis, moi, productrice dorénavant, promotrice de la musique et de la culture gabonaise. D'ailleurs, je viendrai là-bas te demander de me donner aussi mon chèque de 40 millions de francs CFA. Puisqu'aujourd'hui, c'est dans le divertissement qu'on doit produire. N'oubliez pas de me garder aussi ma part d'échec parce que je souhaite aussi mettre des événements culturels au pays. Et je compte sur ton chèque de 40 millions de francs CFA pour m'accompagner aussi dans mes projets artistiquement gabonais. Bien. Je vais maintenant rebondir sur la dernière partie avant de couper mon live parce que je vous ai dit que je n'ai pas envie de durer. Je n'ai plus la force de durer dans les lives. J'ai mal au ventre même quand je vous parle là. Et d'abord, vous ne partagez pas le live. Alors, Madame Marie-Jeanne dit du vrai Mélie Mélo, raison pour laquelle certaines pensent qu'ils se battaient pour des postes. Alors, moi, je ne suis pas là pour condamner les gens parce que je pense que dans la vie, chacun a ses ambitions. C'est des personnes, pour moi, hein, moi, je dis toujours comme ça, hein, vous allez prendre ça comme vous voulez. Pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas de vision qui condamnent ceux qui ont des visions. Parce que quand tu as une vision, qu'elle soit négative ou positive, c'est pour toi. Tu fonces, tu vas l'obtenir, tu vas tout droit vers tes objectifs. Tu ne regardes personne. Alors, ceux qui vont condamner ceux qui ont des ambitions, c'est ceux-là qui n'en ont pas. C'est ceux-là qui ont la vie stagnée, qui n'ont pas de projet, qui ne vivent que pour critiquer, qu'insulter les autres parce que la leur est fade. La leur n'a pas de projet à long terme. Je suis désolée, nous avons tous, moi je l'ai dit ici, je n'ai signé un contrat avec personne. Je suis venue parce que moi je suis pour la justice et de sur quoi mon frère avait été tué. Il a eu
J'ai fait son anniversaire hier, donc je ne dois vraiment rien à personne. Quand je vais parler, je parle à mon âme et conscience, pas parce qu'il y a un groupe de personnes qui veut faire quoi que ce soit pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit dans le néant. Je n'ai pas le temps de ça. D'abord, tout le monde sait que j'ai la bouche là où il faut, quand il faut. Personne ne peut faire jouer avec mon nom en blague ici, n'importe comment dans les réseaux sociaux sans s'entendre à mon retour. Voilà, à mon retour très sauvagement appliqué. Mais pour moi, je me dis qu'à un moment donné, nous arrivons à un tournant de la vie où soit tu restes là à crier et tu meurs, on va t'enterrer comme un poisson pourri, ou on va t'enterrer comme un malpropre qui n'a rien fait pour son pays, ni pour ses enfants, ni pour sa génération. Soit tu te prends en main et tu te dis, tiens, je dois faire quelque chose, il est temps de me construire, ou bien de former quelque chose, ou bien de créer quelque chose. Pourquoi ne pas aller créer une entreprise au Gabon? Tout n'est pas forcément régi par la politique. Je ne suis pas contre la politique, mais moi, je ne vois pas le développement du Gabon par la politique. Les politiciens n'ont jamais développé quoi que ce soit. Ils passent tout leur temps à tricher, à voler, à mentir. Mais c'est vous et moi, la population, les entrepreneurs qui vont développer le Gabon, les associations qui vont développer le Gabon. Dès qu'on prend connaissance de ça, on va arrêter d'aller passer tout leur temps à critiquer ceux qui ont été nommés. Chacun a son poste, chacun a son rôle dans ce pays. Vous choisissez qui vous êtes. Si vous êtes des téléspectateurs, alors soyez là, vous fermez vos bouches, vous observez ceux qui agissent en bien ou en mal, parce que vous avez décidé de ne pas agir. Vous avez décidé d'être les téléspectateurs, les jugeurs, les juges, les avocats, les procureurs des réseaux sociaux. Arrêtez-vous là. Mais moi, comme je vois, je prends Laurent Don ici, je m'emballe les ovaires, qu'elle soit là ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle n'est pas compétente, je peux le dire ici. Pour moi, j'estime qu'elle n'est pas compétente, parce que venir retenir ce genre de propos, sachant que des gens sont morts, et dire, ah non, le chef de l'État, c'est pas de ça, mais ça, il n'a pas. Il s'en fout. Bon, je vais analyser ça comme ça. Hein. C'est pas au chef de l'État de venir parler des morts. Hein. C'est pas à nous. Hein. Il n'a pas à parler de tout le monde. Hein. Ok, on est désolé. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Hein. On est désolé. Et alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Pour moi, c'est ça. C'est la tradition de ça. Je ne sais pas si c'est bien, mais pour moi, je vois ça comme ça. Oui, voilà. Vous êtes morts. Ils sont morts. Ils sont morts. On est désolé. Et puis quoi encore? Hein. C'est pas tous les morts. Non, tu ne peux pas te comporter comme moi. Pour moi, ça, c'est un acte d'incompétence. Parce qu'il faut, il faut avoir des conseils. Il faut m'avoir des conseillers pour toi. Tu ne peux pas venir parler comme ça que le gouvernement n'a pas vocation. Qui écrit tes discours d'abord? Qui écrit tes discours? Il faudrait quelqu'un qui t'écrit le discours. C'est-à-dire que Olingi a une image qui veut rassembler les Gabonais, qui dit que je prends les malheurs des Gabonais pour moi, j'essaie de comprendre les Gabonais et j'essaie de m'adapter. Mais toi, tu fais le contraire de ce que ton patron dit. Le patron dit que je fais un Gabon rassembleur, je fais un Gabon où on est ensemble, je vais partager vos douleurs. Si tu me coupes le courant, coupez-moi d'abord le courant. Pourquoi Olingi n'a pas dit le jour-là quand la SG nous a menacés? Pourquoi Olingi n'a pas dit que, ben écoutez, hein, la SG a le droit de vous couper le courant, l'électricité, et puis quoi encore? Vous ne payez pas l'électricité, hein? Moi je m'en fous, j'ai le courant chez moi. Non, il a dit, si on vous coupe l'électricité, commencez par moi. Il a dit, mon salaire, je vais d'abord couper mon salaire. Ça, c'est quelqu'un qui dit, je partage, il a de l'empathie, on appelle cela de l'empathie. Mais toi, tu ne peux pas aller à l'encontre de l'image du président de la République que tu représentes. Donc déjà là, c'est un faux pas qui est pour moi condamnable. Parce que le même président de la République ne peut pas désirer, souhaiter, aimer, protéger la population et envoyer son coq aller faire un communiqué qui va à l'encontre de son image, de sa vision envers la population. Parce qu'ici, on ne parle pas d'une entreprise qui n'a pas débroussé, qui n'a pas fait les routes, on ne parle pas des enfants qui ont pété les pétards, on parle de mort d'hommes. Je pense qu'il y a eu combien de 4 personnes tuées. On parle de mort d'hommes. C'est-à-dire que dans le monde entier, on devait même parler de ça dans les chaînes internationales. Ça devait faire la une des médias internationaux, voir comment les crimes rituels ont repris alors que nous sommes à l'ère de la transition. Qui dit transition, qui dit qu'on ne devait même plus avoir un mort. On ne devait même plus avoir des morts au Gabon. Mais à l'ère de la transition, on vient encore parler des crimes rituels. Et toi, tu viens sortir, tu dis qu'il n'a pas le droit de s'exprimer dedans. Quand c'est les crimes rituels, vous ne parlez pas. Donc quand c'est les crimes rituels, le gouvernement n'a pas le droit de parler. Mais quand le gouvernement était venu s'exprimer, comment on appelle cela? Était venu s'exprimer sur la SG et sur Passam Dabani. Ils sont allés jusqu'à dire qu'une maman, même si cette maboule-là aussi, je ne l'apprécie pas, mais quand le gouvernement est venu s'exprimer sur Passam Dabani, jusqu'à dire qu'ils vont condamner Passam Dabani. Donc le gouvernement a le culot, a le courage, à la fois de s'exprimer envers Passam Dabani qui traite Olingi de chien, mais ce même gouvernement n'a pas la force de vouloir protéger la nation. Mais Laurent, donc soyons honnêtes et soyons cohérents. Tu ne mérites pas cette place, tu es beaucoup incompétente, laisse-moi te le dire.
sans rancune, bien sûr. Tu es beaucoup incompétent et tu fais beaucoup de sorties inopinées qui n'ont rien à voir avec la vision du gouvernement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux avancer correctement, entoure-toi, prends les petits qui ont fait les sciences pour communicantes et autres là. Ce sont eux qui seront ta tête pensante. Et toi, tu viendras seulement parler dehors parce que toi, tu sais bien parler. Ça, il n'y a pas de faux dessus. Tu sais très bien parler. Mais stratégiquement, les stratégies communicantes du gouvernement ou de la communication, tu n'as aucune idée de comment gérer une crise, de comment se positionner. Tu as seulement le verbe comme moi là. Tu sais parler. Ça, tu as l'art de l'oratoire. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Ça s'arrête là. Mes compétences sur le domaine qu'on t'a donné, maman, entoure-toi de bonnes personnes et ces personnes-là vont faire le travail à ta place. Tu viendras seulement être le cerveau. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Nous avons passé près de 7 ans, pour ne pas dire 7 ans et demi, à dénoncer les bongos. Et quand on appelait les bongos venir parler, qui étaient les bongos pour venir répondre? Pourquoi nous avons demandé aux bongos de nous donner des comment on appelle? De nous expliquer sur les crimes, de nous expliquer sur tout ce que ces gens-là faisaient dans notre pays. Qui étaient nous pour demander cela aux bongos? Quand c'est pour toi, quand c'est pour vous, on n'a pas le droit de vous demander ça. Non, madame la ministre. Je pense que vous devez, à un moment donné, se mettre à la place de la population. Si hier, vous étiez là par intérêt et que vous avez obtenu gain de cause, chers compatriotes, chères sœurs, chers ministres de la communication porte-parole du gouvernement, je vous exhorte à retourner dans les cahiers et faire un peu de cours de communication gouvernementale et cours de communication politique. Parce qu'il y a plusieurs communications. Essayez de vous former dans la communication politique et voir quelle est l'image normalement vous devez tenir. La communicante, le porte-parole du gouvernement a l'obligation de s'informer et d'informer la population sur tous les maux des sociétés économiques, sociales, politiques, extérieures. Tu ne peux pas te dédommager de ça. Si tu trouves que venir dire que non, voilà, nous allons enquêter, le gouvernement va mettre en place un procureur de la République, nous allons machin. Si tu es incapable de protéger ou bien de compatir, mieux, tu fermes la bouche. Parce que d'après les proverbes, comme les gens le disent sur les réseaux sociaux, la bouche pleine n'a plus point d'oreille ou bien ne parle plus haut. Bref, si ta bouche est tellement pleine et que tu ne peux plus parler, chers compatriotes, je vous exhorte de la fermer dorénavant parce que ça ne donne pas une bonne image au gouvernement du CTRI que vous servez. Parce que vous êtes contradictoire entre ce que vous dites, entre ce qu'Olingi dit et entre ce qu'Ndongsi m'a dit. Finalement, qui fait quoi là-bas? Qui est qui là-bas? Et qui dirige qui? Voici mes nombreuses questions dans le respect, bien évidemment. Bien. Moi, je vais vous laisser là. Madame Claire, je vous supporte. Merci pour le supportement. Je vais vous dire quoi. Merci en tout cas pour tout. J'avais besoin de relater un peu cette petite partie à notre chère compatriote, Madame la ministre de la Communication, qui semble oublier quels sont ses rôles. Et après, à côté, j'ai entendu, vous avez dit, oui, c'est que je voulais terminer sur cette partie. Le procureur de la République est là. Ouais. Ah, Laurence. Non, mais toi, tu as vraiment les... moi, je travaille beaucoup sur moi. C'est-à-dire que moi, là, vous m'avez connu en tant qu'actrice. Moi, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Je travaille trop sur moi. Au jour d'aujourd'hui, là, je n'ai plus envie de péter les câbles. Ah non. C'est-à-dire que là, j'ai envie de péter les câbles. Ne pète pas. Le procureur de la République. Et c'est lui qui doit se saisir de l'histoire. Ah non, ma grande soeur. Pendant mi-tal-bi-ben-sum. Allez, maman, tue les Gabonais. Allez, maman, ne donne pas les Gabonais la bourse. Allez, maman, le gouvernement Gabonais, la bourse, les enfants n'ont pas la bourse. Oh. Oui, comment pouvez-vous comprendre que les enfants d'aujourd'hui, et l'État qui a le pétrole, et l'État, tu prends des... Oh. Non, je dis que je me calme. Tu as fait, on a fait ça. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, c'est pas Seigneur, parce que moi je ne prie pas le Seigneur. Je prie Dieu. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a créé, celui qui a fait de moi la femme intègre, honnête que je suis. Je préfère être pauvre, je préfère ne plus avoir des amis, je préfère que tout le monde me fuit, je préfère que tout le monde me déteste, mais je reste intègre, droite sur mes bottes. Seigneur, je te remercie. Oui, parce que quand on vous regarde, quand on te regarde là, et tout ce que tu as fait et que tu dis aujourd'hui, il y a contraste. Et c'est un contraste sombre et c'est un contraste désolant pour les personnes comme nous,
Jadis qui t'avons soutenu. Moi, à l'époque, je te soutenais. J'ai arrêté de te soutenir. J'ai arrêté de te soutenir qu'en 2020. Moi, je l'ai daté. En 2020. Donc, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans bientôt que j'ai arrêté d'être ta bonne petite. 2020-2019, Gedjaba. Mais bon, c'était quand ta soeur menteuse, Nombre One aussi, qui aime se sentir victime, là, mais on n'est pas dedans, était venue faire ce boulouarou des réseaux sociaux, là. Vous avez les foutaises. Mais tu étais une bonne activiste. Aujourd'hui, tu es un mauvais ministre. Et c'est bien dommage parce que tu as des qualités, j'espère. Tu sembles avoir des qualités. Tu as un doctorat. Je ne sais pas si c'est un docteur en communication ou un docteur en je ne sais même pas dans quelle spécialité tu es là. Je ne veux pas mentir. Je ne sais pas quel doctorat tu as. Mais si c'est un doctorat aux affaires ou un doctorat, c'est pas un bon doctorat alors. Donc c'est un doctorat qui te permet de ne pas peser le pour et le contre, de ne pas mesurer les risques. Parce que dans la communication, on mesure les risques. On établit et on mesure les risques stratégiques. Comment on dit si ça, ça fait ça. Si on fait ça et que ça, ça va, bon, on peut rebondir ici. On peut mettre tel point. Ça dit qu'en communication, il y a des points qu'on place. C'est comme le jouer aux échecs. Il y a des points que tu sais que si ça, ça sort. Voilà, politique, enfin, communiquant, comment c'est tel point que je dois placer ça pour rebondir à tel point, faire ça. Tout est... Même s'il y a des aléas des dernières minutes, mais tout est bien structuré. C'est ce qu'on dit souvent, établir un plan de communication. Parce que un chef d'entreprise ou bien un chef communicant, un chef de communication, peu importe le projet, qui a bien rédigé son plan, fait rarement des bêtises, fait rarement des fautes. Parce qu'il sait qu'après le point B, je passe tout de suite au point B. Quelques jours plus tard, je passe au point C. Si le point C, on a des difficultés là-bas, il y a une crise dedans. On voit à quel point, entre le point A et le point B, si nous avons mis un point au milieu, une virgule au milieu, comment on va enlever cette virgule, déplacer et mettre ça. C'est comme ça. Toi, tu sors là-bas, est-ce que c'est à nous de parler des problèmes du Gabon? Non, c'est au chien de venir parler des problèmes du Gabon. C'est au démon, c'est au mort de venir parler des problèmes du Gabon. Oui, oui, c'est au Cameroun de venir parler de la place du ministre. Hein? Et puis, monsieur Olingi, là, je vais finir sur ça. Monsieur Olingi, je vais te poser la question aussi. Voilà. Donc, moi, je t'ai fait la note de retour récemment. Je t'ai fait la vidéo sur le fer de Belinga. N'oublie pas, moi, je ne suis plus dans les... Je suis en pause activiste. Je parle là en tant que citoyenne. D'abord, j'ai oublié de me présenter au départ. Mais à la fin, je vais le faire. Je parle là en tant que citoyenne. Donc, je suis en pause. Je vais te poser la question aujourd'hui. Il faut réfléchir sur ça. Y a-t-il deux gouvernements dans ton ministère? Monsieur Olingi, combien de gouvernements existent-ils dans ton ministère pour qu'il y ait deux chargés de communication, deux porte-parole? Il y a Monsieur Mafumbi qui est toujours en militaire, habillé en militaire là. Celui qui fait le coq de la République, le coq de CTRI. Moi, je l'appelle le coq national. Lui, c'est celui qui vient annoncer le communiqué 00. C'est-à-dire qu'il fait le rôle de Laurent Don. Et il y a Laurent Don qui fait le rôle de la petite fille gentille qui ne veut pas de se voir papa Olingi. Finalement, qui est le porte-parole? Tu dois répondre sur ça parce qu'il ne faut pas nous amener les embrouillamis. Moi, là, je ne sais pas qui est le porte-parole. Monsieur Mafumbi ou Mafumbu, là, enfin, le papa qui crie souvent là-bas, là. Lui, moi, je pense que celui le porte-parole. Et Laurent Don, c'est tout simplement, je ne sais pas, associé. Est l'associé de cela. Mais il faut revoir cela. Nous sommes dans une république, monsieur le président de CTRI. Nous sommes dans une république. Ne faites pas en sorte que les personnes comme nous, là, quand on a envie d'avancer dans nos trucs là-bas, vous nous ramenez. Moi, je n'ai pas envie de parler de vos trucs là, ça donne les mots de tête. Il y a tellement de sujets que je vois sur vous là que je dis que jamais je fus comme de la peste. Je fus grave. Je ne peux plus perdre mon temps avec ça. Mais s'il te plaît, vraiment, il faut mettre de l'ordre. Nous sommes une république, pas un royaume, pas, je ne sais pas, pas la cour du roi Péto. Qui est réellement le porte-parole du gouvernement? C'est l'armée ou bien c'est Madame Laurent Don? Si c'est Madame Laurent Don, amenez des professionnels pour former ma compatriote là. Amenez, allez-y chercher des professionnels de la communication pour former Laurent Don comme il se doit. Et vous enlevez Mafumbi. Si c'est Mafumbi, le porte-parole, vous enlevez Laurent Don. Mais dans tous les cas, il nous faut... un seul porte-parole. Soit lui le porte-parole et Laurent Don est ministre de la communication. Vous divisez comme ça. Parce que je vois qu'elle est ministre de la communication et porte-parole. Soit elle est ministre de la communication et l'autre est porte-parole.
Il faut diviser. Mais dans un gouvernement, dans un pays, il ne peut pas avoir deux porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Quoi, il y a un gouvernement du CTRI et il y a un gouvernement de Ndongsima. Donc là-bas, il y a deux gouvernements. Gouvernement de CTRI, c'est M. Mafumbi, qui est le porte-parole du gouvernement de CTRI. Là, hein? Et puis, il y a le gouvernement de Ndongsima républicain. Et c'est ce gouvernement républicain que Laurent Ndong vient faire le tchikatché tapogé dans la boue, comme il fait là. On dirait un zé. Hein? Donc, monsieur Ngoma, il faut revoir cela. Voilà, moi je suis tranquille dans mon silence là-bas. Il faut revoir. J'arrive bientôt là-bas au Gabon. Vous allez me voir là-bas. Oh. Je vais venir danser, crier chez vous là-bas. Vous ne me connaissez pas, non? Vous avez des gens qui ont beaucoup peur de vous là. Moi, Manzoui, je viens crier dans le bureau de Laurent Ndong là-bas. Je viens crier dans ton bureau. Si tu veux, tu me prends pendant une semaine, je te forme. Je te forme bien parce que tu as l'air de faire des bêtises là-bas. Tu ne sais pas trop ce que c'est la communication politique. Tu ne sais pas communiquer dessus. C'est tout ça à cause de trop négliger les gens dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi les deux porte-parole? Voilà. Monsieur Mafumbi est porte-parole du CTRI. Madame, voilà, c'est ça, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'il y a deux porte-parole. Ça veut dire qu'il y a deux gouvernements. Voilà, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement du CTRI, donc le gouvernement militaire, et le gouvernement de Ndongsima. Et ça n'a pas de cohérence. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incohérences dedans que moi, je n'ai plus envie de parler. C'est quand j'étais encore activiste, je pouvais parler. Là, j'ai plus envie de parler. Là, sincèrement, parce que ça me fout les boules d'un degré de boulement que je n'ai pas envie de parler. Il y a tellement, depuis un moment, je vois beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Je peux faire passer ma route parce que c'est énervant. On ne peut pas parler des mêmes choses tout le temps et les gens ne cherchent pas à s'améliorer. On ne peut pas parler des mêmes choses tout le temps et les gens ne cherchent pas à faire un effort. C'est comme si c'est fait à dessein pour énerver les gens. Et puis comme moi, je suis beaucoup colérique, et puis je viens d'avoir la tension, je viens d'avoir des maux de tête et je vais mourir avant vous. Vous pensez que moi, je suis là pour mourir avant vous. Moi, je vais mourir après vous, vous allez mourir devant moi. Donc, je ne vais pas pourrir ma santé pour que vous restez là, venir crier. Comment un gouvernement va avoir deux gouvernements? On va avoir deux porte-paroles comment? Hein? On va avoir deux porte-paroles comment? Dans ce même gouvernement. Ça n'a pas de sens. Même quand les gens sont là pour vous, pour soutenir. Oh, Mina, il y a beau tout pour que les gens puissent se poser encore des questions. C'est-à-dire qu'une personne comme moi qui était 100% dedans, vous me poussez à me poser de nombreuses questions qui n'ont pas envie de passer dans ma tête. À un moment, j'ai ma tête là, j'ai la tête de bizarre. Quand ma tête va se tourner, quand je vais quitter comme ça, je reviens comme ça, vous m'avez perdu. Oh. Pour le moment, pardon, je suis en paix. Moi, je suis en paix dans mes wolo wolo où je suis là-bas. J'ai retrouvé ma paix, vous riez. Allons-y demander à monsieur Mafumbi qui fait quoi là. Monsieur Mafumbi est-il porte-parole du gouvernement ou porte-parole du CTRI? Le CTRI est-il une institution gabonaise ou un gouvernement gabonais ou bien c'est un royaume dans un royaume? Tout cela, on ne sait pas. Il faut se poser les questions. Le corps qui fait communiquer 000, il parle pour quel gouvernement? Et Laurent Ndong, c'est pour vous là-bas, pardon. Donnez-moi seulement mon argent pour créer mes entreprises. Le reste, s'entretuez-vous politiquement si vous voulez. Bien, yeah, I am finished. Donc, j'ai terminé, mes chers compatriotes. Même quand je vous parle, j'ai mal au ventre. Je n'ai plus la force de faire des lives. Hein. Je vous parle, j'ai un peu mal au ventre. J'ai un peu les palpitations ventrales. J'ai un peu mal au ventre, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai terminé. Voici à peu près la petite vidéo qui m'a pas plu et je voulais interpeller Madame la ministre Laurent Ndong que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un domaine qu'on ne peut pas s'instruire sur ce domaine-là et essayer de faire un effort. Aujourd'hui, je trouve que vous êtes un peu à la plaque par rapport à vos compétences, par rapport à votre performance, voilà. Parce qu'on vous a connu comme une femme très performant dans ce qu'elle dit et croit même quand vous parlez, vous ne croyez même pas à votre discours. Ce discours, je l'ai regardé, vous n'y croyez pas, il n'y a pas d'amour dedans, il n'y a pas d'intérêt comme à l'époque, il n'y a pas de... c'est encore zappé. Il n'y a pas d'intérêt comme à l'époque, vous n'y croyez pas. Donc, essayez un peu de faire un effort, voilà, de comprendre que ce que nous avons combattu hier, ce n'est pas parce que vous êtes là-bas qu'on ne peut plus, que les gens, certaines personnes ne peuvent plus combattre... Voilà, moi, malheureusement, je n'ai plus le temps pour ça. Voilà, j'ai 43 ans. L'année 2024, je prends 44 ans. Donc, vous comprenez que
venir me mettre seulement dans les réseaux sociaux, à crier sur vous, à relever vos bêtises, que je devienne vos, qu'on devienne, parce que nous sommes vos enseignants, qu'on devienne vos professeurs, vos conseillers. Non, 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 non. Je me dis que si vous vous entourez, vous êtes payé pour ça, entourez-vous des professionnels et faites un effort d'être à la hauteur de ce pourquoi on vous a nommé là. Si moi, mon homme, quelque part, je prends l'exemple, bien sûr, vice-présidence, parce que moi, c'est toujours la présidence que je vise, hein. Si on me nomme vice-présidente de la République gabonaise, ou bien je prends la tête de Ndong Sima, vous pensez que je vais venir comme ça, là, sans d'abord aller m'instruire ou bien me former matin, midi et soir pendant un mois. Je serai là, faire des formations intenses, accélérées, pour être à la hauteur des compétences de la mission dont on m'a confiée. C'est comme ça. Parce qu'un ministre, il n'y a pas un diplôme ministre, c'est les gens qu'on nomme. Donc on peut nommer même un chien ministre. Mais quand on te nomme, quand on nomme un chien ministre, ce chien-là doit faire un effort d'être à la hauteur du poste. Donc voilà, je ne dis pas que vous êtes une chienne ou un chien, mais je dis tout simplement que n'importe qui, un mouton, un canard, un crocodile, peut être nommé. Voilà. Et pour ça, on se forme sur place, on s'instruit sur place. L'instruction est à tout âge. Moi, quand moi je m'instruis à tout âge, moi je n'ai pas de honte, hein. Tous les jours, je lis, je ne lis pas pour venir épater les gens pour bien parler le français. Je lis pour moi, je lis pour remplir mon cerveau. Mon cerveau, il est rempli de connaissances qui sont miennes. Parce que je sais que demain, si on m'amène tel texte, si on m'amène ça, je sais que je lis ça quelque part. Je sais que ça se passe comme ça parce que je lis, parce que j'apprends, parce que je continue à aller à l'école. Je continue à me former. On ne s'arrête jamais de se former, on ne s'arrête jamais d'apprendre. Voilà. Et moi, j'apprends tous les jours que Dieu fait, tous les jours. Je vous prends l'exemple, là, je viens de lancer mon label de musique. J'apprends tout le temps, c'est un milieu dont je ne connais pas. Je suis obligée d'étudier les contrats, comment ça se passe les contrats, comment ça se passe les commissions, comment ça se passe les protections, tout ça. Je passe mon temps à étudier, à me former. J'ai même dû payer une formation de 350 euros pour me former en milieu, pour savoir qu'est-ce que se passe. Quand j'arrive là-bas, c'est un cake qui va me mettre les vidéos YouTube. Je dis que moi aussi, je gaspille l'argent pour rien. Mais bon, ça, c'est encore un budget que j'ai investi pour rien. Mais c'est pour que demain, dans ma tête, je puisse connaître à peu près ce que je fais. C'est comme ça on fait. Vous, on vous nomme parce qu'on vous nomme. Vous pensez que vous êtes au-dessus de tout, que vous connaissez tout, vous savez tout, vous avez des connaissances partout, au poteau. Non! Nes! C'est pas ça. Et puis, à l'avenir, moi, je conseille que l'avenir, nommez les personnes. Si vous voulez, comme vous avez nommé Mas Mouessi, c'est son domaine. Ça, c'est celui qu'il faut à la place qu'il faut. Nommez les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, les gens qui sont dedans. Je pense que notre sœur, elle est docteur en quoi? Docteur en écriture, hein? Parce que quelqu'un est docteur en écriture. Bah, mettez-le dans les. Je ne sais pas, créez un ministère de l'écriture. Un ministère de l'écriture où on va apprendre les enfants à bien écrire. Et puis vous nommez professeur d'écriture là-bas, je ne sais pas trop. Créez un ministère qui va. Où elle a des compétences. Parce qu'on m'a dit qu'elle est ministre de l'écriture. Les gens qui apprennent à bien écrire, l'orthographie, la calligraphie, je ne sais plus quoi. Donc, créez un ministère spécial pour elle et dedans, elle aura des compétences. Essayez de mettre des ministères, des gens qui ont des compétences dans tel ministère. Ministre de la communication, vous mettez quelqu'un qui soit de l'école de communication. Qui a fait quoi? Ministre du budget, vous mettez, c'est comme ça. Vous mettez pas les gens qu'on va venir crier matin, midi et soir, comme vous avez mis Opianga, qui n'a même pas d'expérience dans le minerai ou dans le manganèse. Il est ministre là-bas. Pourquoi vous faites ça? Mais ça ne regarde que vous. Oh. Tu es encore en train de matérialiser ton corps, ma boss. Non, je ne matérialise pas. Ils sont en train de maigrir, mais même un peu. T'as le cocossin. Je suis en train de maigrir un peu. Je n'ai pas me lever. J'ai commencé à maigrir. J'ai commencé à maigrir là depuis quelques temps. J'ai maigri quelques petits kilos. Là, vous savez, je ne mange pas beaucoup, mais je vais couper le là. Je ne mange pas beaucoup, mais comme je reste toute la journée, là, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Il est quelle heure? Il est 19h. Je ne mange pas parce que je passe le temps à me former, à lire et faire tout ça. Donc, du coup, là, quand je vais manger, et je ne vais pas manger, voilà. Donc, je vais prendre la glace, je vais prendre les biscuits, je vais prendre, nanana. Voilà, c'est tout ça. Ça vient bomber le ventre. Mais bon, bref, ne vous en faites pas. Je suis bien comme je suis. Je ne dis pas que je suis bien en étant grosse, hein, mais bon, je suis bien, je suis en bonne santé comme je suis, mais j'aimerais retrouver ma taille M, quoi. Voilà, j'aimerais retrouver ma taille et hey, mettre mes belles robes sexy moulantes. Mais il n'y a pas de souci, on est ensemble. Bien des choses à vous, mes chers compatriotes. Portez-vous bien. Bien des choses à vous, madame la ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Faites un effort à les venir, s'il vous plaît. Quoi encore? Bon, moi, je passais par là. Ne vous en faites pas pour mon absence. Je suis en pause activiste. J'ai mis en éveil mon activiste pour longtemps.
Voilà, je ne compte pas revenir, mais comme vous êtes ministre de la Communication, n'oubliez pas, j'ai bien sûr lancé, je me lance dans l'événementiel et dans la promotion de l'art et la culture gabonaise. J'espère tout simplement que de mon côté, vous allez aussi me donner un petit chèque par là pour pouvoir faire mes événements. Sur ce, c'était Claire Newman, reine aux multiples casquettes, aux multiples facettes, on va préciser, anciennement activiste politique sociale gabonaise, philanthrope et productrice Newman Vision Entertainment. Je passais par là, adresser un petit mot à la ministre de la Communication, Madame Laurence Don, sur ses dérives de communication et qu'elle doit faire attention à l'avenir lors de ses interventions. C'était ma petite minute, cognement en tout respect. Bien, merci Roll, mon VP, on est ensemble, bisous à tous, on est ensemble, que Dieu vous protège et que Dieu protège la nation. C'est enfin notre sort vers la félicité, sans rancœur. Appuyez ceux qui veulent garder la rancœur, j'en ai catégoriquement rien à cirer. Vous savez que moi, tant qu'on ne cite pas mon nom, je ne suis pas aidant. Mais si vous voulez un affrontement face à face, prononcez seulement mon nom. Depuis que j'ai dit aux gens, prononcez, hey, j'ai envie de me bagarrer, prononcez mon nom. Depuis, j'attends la bagarre. Moi, je ne vais pas changer. Merci, bonne soirée.